Salut camarade, t'es en train d'écouter ma chronique pour le podcast Louis1664. Si t'aimes l'histoire, ma voix et mes blagues, eh ben je te conseille d'aller jeter un œil à mes visites guidées de Paris sur diabledetail.com. Tu peux croire, t'as jamais visité la ville comme ça. Allez, à bientôt camarade, et fais tourner, ça fait toujours plaisir. Exactement, vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Bon, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jacques Grimaud ? Non. Oui. Donc Jacques Grimaud, il est à l'origine du pseudo-documentaire La Révélation des Pyramides. Il sous-entend que des technologies extraterrestres sont à l'origine des pyramides, des têtes de Pâques, du Machu Picchu et de Roselyne Bachelot. Même si sur ce dernier point, l'archéologie officielle hésite encore un poil. Je dis sous-entend, car n'ayant aucune preuve, Grimaud ne fait que présenter un faisceau d'indices. Tout en légèreté, c'est une leçon de subtilité. C'est un peu comme Darmanin, là, qui est en train de nous faire sa tournée de l'Action française. Bah, ce n'est qu'un subtil faisceau d'indices du chemin que prend la LREM. Un chemin bien tapis de merde au demeurant. Bref, bref, j'aime pas Jacques Grimaud. Déjà, il porte la nuque longue sans pratiquer le karaté ni supporter de club de D2. Et en plus, il traite ses détracteurs de, et là j'ouvre les guillemets, bande de talmudistes maçonnico-judaïstes. Sans déconner, c'est vrai. Ouais. Alors l'expression est très très fleurie, mais c'est de ces fleurs qu'on appelle des fleurs de cul. Mais en tout cas, c'est une formidable entrée dans le monde des taxes, TACS, les théories archéologiques claqué au sol. Par exemple, Grimaud, il s'inspirait d'un autre gars, un autre archéologue de Mequetch, qui s'appelle Robert Charroux. Pour lui, c'est pareil. Les extraterrestres ont débarqué il y a des milliers d'années, et là, ils nous ont mis super soin. Dolmen, menhir, la 4G, pas la 5G, hein, ça donne le Covid. Et pour lui, c'est pas... Et donc, figurez-vous que dans son plan, les extraterrestres aussi se sont mis bien. Parce qu'en plus de distribuer des pyramides, ils ont distribué des grandes levrettes avec cheveux tirés, en mélangeant leur ADN avec le nôtre. Et attention, parce que quand je dis le nôtre, on reste bien sûr dans cette arborescence de théories qui sentent le cul. Donc, j'entends nos gènes de blanc, qui s'en trouvent donc sensiblement supérieur. Normal. Alors ce qui est un peu dommage avec Robert Charroux, c'est qu'il est mort en 78. C'est-à-dire qu'il est mort trop tôt pour savoir que la seule espèce non humaine avec laquelle on a copieusement bouillave, c'est Néandertal. Bim, dans le mitarien. Ah, moi j'aurais dit pangolin, tu vois. Ouais, récemment c'est avec le pangolin, a bien joué. Alors vite fait, vu qu'on parle d'Arien, on peut bien sûr ne pas parler d'archéologie nazie. J'imagine que vous n'êtes pas sans savoir qu'Himmler ne creusait pas que des fosses communes en Ukraine, mais aussi des sites de fouilles en Allemagne à la recherche de la noble race germanique. Au rendez-vous, pas mal de déceptions, parce que les Germains de l'Antiquité, ils n'ont pas glandouillé grand-chose, à part faire des huttes de bouse dans leur forêt. Alors qu'en Grèce... Mais on se tartinait d'huile d'olive comme des vrais bonhommes. On élevait des bêtes de palais en marbre et on se mettait des moules groupés pénétrants 15 de France en armure de bronze. Et ben, qu'à cela ne tienne, l'histoire est retournée comme une femme vulnérable en mal de logement à la mairie de Roubaix. Paf ! Les Grecs et les Romains sont des Nordiques et les vilains Perses, des Juifs dégénérés. La magie nazie. Pas mal. Et, juste pour vous pensez que l'archéologie raciste, c'est un truc de blanc. Est-ce que vous avez entendu parler de Ivan Van Sertima ? Toujours Alors pas. Lui, c'est un des historiens qui assure que les Olmecs, donc c'est une des anciennes civilisations précolombiennes, auraient été fondées par des Africains, sûrement des Soudanais, en moins 1000 avant JC. Mais non. Alors en vrai, je comprends qu'après que tu te sois mangé des siècles de sciences racialistes occidentales, toi aussi t'as un peu envie de jouer. Mais les gars, faut pas prendre Sarko au sérieux. Personne de sérieux ne le prend au sérieux. Ah ouais, on est pas assez rentré dans l'histoire ? Ah bon, on sait pas nager ? Eh ben nous, on a découvert le Mexique en kayak, avant Christophe Colomb, avant les kayaks, et même avant les Mexicains. Ça, je pense que tout le monde a ramassé là. Quoi. Alors juste, je termine parce que donc là, les hindous, les musulmans, les juifs, approchez-vous, il m'en reste un peu. Alors parce que ceux-là, ils sont censés passer leur temps à se mettre sur la gueule, mais alors quand il faut sortir des théories à la con, ils sont quand même sur la même longueur d'onde. Vous aviez entendu parler du cadavre de géant de 30 mètres retrouvé en Arabie Saoudite en 2000 ? Eh ben, dis-toi que la photo, elle tourne encore. Alors c'est tout avec Goliath, se sert, quoi. David et Goliath. Ben voilà, donc pour les musulmans intégristes descendants d'Indan, peut-être de Goliath, pour les hindous intégristes, géants issus de la mythologie de Shiva, et sinon, bah, pour ceux qui se cassent un peu le cul à vérifier les sources, concours de trucage Photoshop organisé aux States en 2002. Voilà. Ceux qui sont pas mal emmerdés, c'est les juifs orthodoxes. Ils sont pas mal emmerdés parce que si tu veux, alors pour résumer, donc le monde est créé en 3000 ans. Ouais. Non, il est créé il y a 3000 ans, ouais. En 7 jours, avec un jour de RTT en plus, et après il file les clés là-dedans et c'est terminé. Mmh. Sauf que, drame! Dans la banlieue de Jérusalem, on a trouvé des putains de traces de dinosaures. Alors tu te dis, mais les dinosaures, ils vont les foutre où hein ? Où tu vas les caler, tes putains de dinosaures ? Moi, j'ai bien ma petite idée, mais je sais que c'est clairement pas un endroit où j'ai envie de prendre un dinosaure. Parce que oui, visiblement, la Bible en parle. Les hommes et les dinosaures ont vécu en même temps. Il y a des récits, il y a des images. C'est une connerie, là. Ah, je te jure. Bah, mais les mecs, il faut bien qu'ils arrivent à le justifier. Il y a des traces de dinosaures à Jérusalem. Ils font, bon, bah écoute, si, dans la Bible, en fait, il y a des passages de dinosaures, quoi. Et en fait, sans déconner, là où c'est vraiment des bâtards, c'est qu'ils s'en prennent à mon cœur d'enfant, en vrai. Parce que... Donc les rabbins, les curés, non, imams. Toute cette plaie cléricale, ces sensus cléricales, je peux pas les voir en photo, mais des dinosaures en même temps que les hommes, c'est à mon âme d'enfant qu'ils s'en prennent, tu vois. J'ai tellement envie d'y croire. Et du coup, je voudrais juste conclure là-dessus. Les gens qui nous écoutent, vous interdisez pas de rêver
décédés, en fait. Les géants, les pyramides construites par E.T. et Roselyne Bachelot, les tibias de géants, mais c'est de la méga frappe. Pour les Templiers, El Graal nous a donné Indiana Jones et Benjamin Gates, mais c'est de la méga frappe. L'Atlantide de Disney, bon, au moins celle-là, on sait qu'elle existe. Mais ne mettez aucune limite à vos imaginaires. Laissez-vous planer. Et puis pour l'histoire et l'archéologie, mais ce qu'on sait, c'est déjà tellement ouf, y a pas besoin d'en rajouter. Allez voir le travail d'Hérode.com, Baudelaire Archéologie, Thomas Laurent sur YouTube, vous allez halluciner. Et en vrai, les gars, attendez, je sais. Vous voulez vraiment un trésor de Templiers ? Ouais. Vous voulez des fonds volés aux Français pendant des années par un réseau caché et surpuissant qui a infiltré les arcanes du pouvoir ? C'est ça que vous voulez ? Ouais. Très bien. Les gars, prenez votre fouet, votre chapeau, un pied de biche. On file à la fondation Louis Vuitton. Merci les gars. Engagé. Bah, voilà. Engagé. J'aurais cru La République en marche, moi, mais bon.